Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la cétoine dorée, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas la larve de cétoine dorée et qui la confondent avec la larve de hanneton. Alors, la larve de hanneton a une grosse tête, un petit derrière et des grandes pattes. Et ça, c'est de la vacherie, ça vous bouffe les racines de vos légumes. Ça, c'est à virer ailleurs. Et je trouve pas mal de larves de cétoine dorée. Alors, j'espère que le téléphone va faire le point. Vous voyez, elle a une petite tête et un gros derrière. Des toutes petites pattes. Alors, la cétoine, elle fait partie de la famille des coléoptères. Et si vous laissez, si vous trouvez des larves comme ça dans le jardin, si vous avez un doute, vous regardez sur internet, il y a pas mal d'infos là-dessus. Et la larve de cétoine, si vous la laissez trop longtemps comme ça sur une surface plate, et ben en fait elle avance sur le dos. Et du coup, vous voyez là sur le dos, ça lui fait comme des petits boudins. Et ben en fait elle avance sur le dos. Voilà. Donc la cétoine dorée, la larve de cétoine dorée, c'est très bon pour le jardin. Ça vous mange le bois, les feuilles, tout ce qu'elle peut manger en déchets, elle le fait. Et c'est un allié du potager. Mimi, pousse-toi. Donc voilà, alors elle, je ne vais pas trop la laisser à l'air parce que ils n'aiment pas ça. Hein. Et puis ça peut les faire mourir. Donc là, j'espère qu'elle va vite s'enterrer à nouveau. Je vais lui remettre un petit peu de terre sur le derrière. Voilà, et normalement, on va la voir faire. Allez, ma cocotte, vas-y. Hop, je te remets un peu de terre là. Alors, j'ai essayé de vous filmer pour voir comme elle va vite à rentrer en terre. Vous la voyez là, sa petite tête? Juste ici. Bon, elle n'a pas l'air décidée. Ça y est, elle commence à bouger. Elle va rentrer en terre. Bon, là, j'ai mon chat là qui fait que de m'embêter. Allez, file. C'est pas ton tour aujourd'hui. Bon, du coup, je vois plus où j'en étais. Si. Vous voyez, ça y est, elle rentre en terre. Donc, je vous disais, il ne faut pas trop les laisser à l'air parce que ça peut les faire mourir. Et moi, j'en ai énormément là. Alors, je ne sais pas si chez vous, c'est pareil, si vous en avez autant. Mais moi, j'en ai des dizaines et des dizaines. Et en fait, je suis bien contente. Et elles font un travail remarquable. Ça doit être pour ça d'ailleurs que j'ai un super bon compost. Parce que franchement, elles travaillent super bien. Regardez, ça y est, elle est partie pour s'enterrer. Donc voilà, je pensais que c'était important de refaire un petit point là-dessus. Parce que j'ai vu deux ou trois vidéos là. Les gens trouvent des larves comme ça. Et ils détruisent tout sans savoir ce que c'est. Et franchement, c'est pas cool quoi. Il faut pas faire ça avant de détruire, il faut se renseigner. Voyez comment elle a été vite là, ça y est. On la voit plus. Par contre, on voit la terre qui bouge. Là, je vous ai montré la larve de cétoine. J'ai essayé de vous la filmer correctement pour que vous puissiez bien la voir. Et si vous en trouvez dans vos composts, surtout renseignez-vous avant. Et quand vous en aurez comparé plusieurs, cétoine et hanneton, vous saurez bien faire la différence. Et moi au début j'avais du mal aussi à faire la différence, donc je gardais toujours un petit papier avec moi. Et enfin, tout au début je repartais toujours sur internet pour aller voir. Et puis quand j'en ai eu marre de faire les allées et venues sur internet, je me suis fait un petit papier que j'ai gardé sur moi pour voir la différence des deux larves, hein,
pour ne plus me tromper et ne pas détruire n'importe quoi. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Mon petit Mimi là, toujours, il y en a toujours un avec nous. C'est un truc de fou, c'est des vrais pots de colle. Hein ma gueule? Bah oui. Allez, je vous laisse sur ces quelques images, sur ce petit blabla. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et Mimi, montez beaux yeux.